Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Protège ta santé Mackensia. Les recettes de nos secrets de femmes. Comment soigner une femme enceinte qui souffre d'une insuffisance de liquide amniotique. Faible quantité de liquide amniotique, oligoamnios. Pendant votre grossesse, le liquide qui remplit la cavité amniotique protège votre bébé des chocs extérieurs. La paroi de cette cavité est tapissée par deux membranes, appelées le chorion et l'amnios, qui isolent le fœtus dans sa poche de liquide amniotique pendant toute la grossesse. Lorsque le bébé est prêt à naître, ces membranes se rompent et le liquide s'écoule par le vagin. C'est ce qu'on appelle « perdre les os ». Le liquide amniotique a plusieurs fonctions. Il amortit les chocs ou les coups dans le ventre et protège donc votre bébé. Il aide les poumons et le système digestif du bébé à se développer. Il protège le bébé des infections. Quelle est la quantité normale de liquide amniotique? Le liquide amniotique est constitué d'urine fœtale et de sécrétion des membranes, chorion et amnios. La quantité de liquide dans la cavité amniotique est en équilibre constant, entre ce que le bébé rejette sous forme d'urine et ce qu'il avale. Normalement, le volume de liquide amniotique augmente au fil de votre grossesse. Au début, il n'est que de quelques millilitres mais à 36 semaines de grossesse, il sera de 800 à 1000 millilitres. À partir de 38 semaines, le bébé prenant de plus en plus de place, la quantité de liquide amniotique diminue progressivement, et ce jusqu'à l'accouchement. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère ne naît pas sans ce liquide. Quand il y a carence, il y a problème. Les docteurs n'arrivent pas souvent à trouver une solution pour ce mal. Voici ce que vous allez faire tout simplement à une femme qui souffre cela. Ingrédients. Papaye non mûre. Eau plate. Préparation. Coupez la papaye en de petits morceaux après avoir l'épluché. Mettez dans un bol, ajoutez de l'eau plate et laissez pendant une demi-heure. Après cela, la femme en situation boit cette eau peu à peu la journée. C'est fini. Allez au contrôle voir si ce liquide n'est pas revenu. Nos secrets de femmes, pour vous, nous ferons tout.